Je m'appelle Laurent Hott, je suis éducateur, enseignant, formateur en travail social, acteur associatif engagé. Je présente un livre qui va paraître aux éditions RS en septembre et qui retrace un certain nombre de textes courts. Ces textes courts sont des textes pris sur le vif, des instants de vie, de pratiques éducatives, mais aussi de confrontation avec les problèmes sociaux actuels, problèmes de la ville, problèmes de la cité, problèmes du vivre ensemble, problème de l'interculturalité, problème du manque de perspectives sociales, économiques, politiques. Tous ces questionnements tournent autour de la question du travail social. Que peut le travail social aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut donner encore comme espérance? Quelles peuvent être ses motivations? Quels peuvent être ses objectifs? Et sur quelle énergie peut-il compter? C'est aussi un texte qui se plonge sur la question du travailleur social lui-même. Où est-ce que le travailleur social peut trouver l'énergie d'agir? Où est-ce qu'il peut encore trouver quelque espérance pour entreprendre? Et surtout, quel projet, quelle idée, quelle pratique peut-il se donner à lui-même? Et comment peut-il avoir un point de vue, dégager des institutions qui lui permettent encore de travailler? Ce livre s'adresse donc à tous, pas seulement travailleurs sociaux, mais aussi animateurs, enseignants et d'une façon générale tous les acteurs, acteurs de la vie de tous les jours, acteurs des organisations, acteurs des associations. C'est un livre qui donne des raisons d'espérer, des raisons de se mettre en colère, qui donne aussi, je le crois et je l'espère, des raisons d'entreprendre et de croire encore au social.